with me. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Tata. Salut à toi Tata. Salut. Alors, je vous explique un tout petit peu à quoi consiste cette vidéo. C'est très simple et très rapide. Vidéo vraiment cool Raoul, en mode on s'en bat un peu les boules, ok? Ça rime, je sais. Bon, hier si vous voulez, j'ai eu un casque chez Ubisoft. Vous le savez, on est allé chez Ubisoft et ils nous ont offert simplement toujours un petit sac avec des petits trucs à l'intérieur. Et cette fois-ci, ils nous ont offert un casque. Et c'est pas n'importe quel casque, c'est un très très beau casque, voilà, de Ghost Recon qu'ils nous ont offert. Il est assez militaire comme vous le voyez et il est vraiment très très beau. Et on a l'impression un peu que c'est un casque d'aviateur, vous savez. Il est très joli. Vous le voyez, vraiment très très beau. Voilà. Il se met comme ça à peu près sur la tête. Et vraiment, t'entends rien autour. Et c'est vraiment sympatoche comme casque. Alors, il y a tous les fils et tout ça. Et tout à l'heure, tout simplement, j'en ai parlé, je l'ai montré à Tata. Et Tata, il a tapé dans l'œil. Bah, j'ai testé, il était trop bien. Elle a testé justement et il avait un très très bon son. Et elle me dit, bon bébé, tu me le files. Je lui dis non. Après, je me dis, quoique, j'aime bien les paris. La dernière fois, on avait fait un pari, vous vous rappelez, pour un sac. Et elle avait gagné. Et donc, vous avez vu, je lui ai offert son sac. Cette fois-ci, je voulais qu'on fasse un pari. Mais cette fois-ci, ça serait pour un casque. Si elle le veut, eh bien, il va falloir qu'elle le gagne. Sauf que, j'essaie un tout petit peu de faire autre chose, les frères et sœurs. On va faire un jeu, elle et moi, un jeu que nous faisions tous quand on était gamins. Ce jeu-là, s'il y en a un qui me dit je l'ai pas fait, je te comprends pas. On l'a tous fait. Qui n'a pas fait de cache-cache quand il était gamin? Je me suis dit, on va pas transformer ça en nourriture. On va pas faire celui qui mange le plus vite. Non. On va pas non plus transformer ça en jeu vidéo à chaque fois. On va pas se battre sur un jeu pour obtenir la chose. Cette fois-ci, pourquoi pas faire quelque chose de plus marrant? Je me cache et elle a exactement 50 secondes pour me retrouver. En sachant que ma maison fait plus de 110 mètres carrés, ça devrait normalement être bon, 50 secondes. Parce que si je laisse plus d'une minute, elle aurait le temps de se balader. Le but, c'est qu'elle n'hésite vraiment pas et qu'elle doit fouiller vite les pièces. Ce qui fait que des fois, elle peut me louper. Si je lui file une minute, elle pourra rentrer dans chaque pièce, regarder coin et recoin, et alors là, elle est sûre de le gagner à 100%. Donc, rappelez-vous bien, elle a exactement 50 secondes top chrono pour, et je le répète, pour me trouver. Donc, Tata va compter. J'espère qu'elle va pas compter trop vite, ni pas assez vite. J'espère que ça va être des vraies secondes à peu près. D'accord? Bon, c'est parti. Rappelez-vous bien, elle a 50 secondes pour me trouver. On va voir si elle me trouve. C'est un jeu de gamin, je sais. Mais bon, faut pas oublier qui on est. Mais faut pas oublier surtout qui on était. Allez, j'ai toujours été un grand gamin, moi, pour ma part. On est parti, Lia? On est parti. Bon, file-moi la caméra, vite fait. Hop là! Je garde le casque avec moi. Bon, nickel. Tata a enfin fini de me préparer le truc. On y va, c'est parti. Alors, non, Lia, viens. Faut que tu passes derrière moi. Tu te mets derrière, tu me suis. C'est moi qui te montre où tu vas compter. Donc, c'est parti. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Tu vas te cacher? Allez, bon. Bon, on l'a même pas enlevé le petit sapin. Ça j'aime bien, beau, ça fait beau, ça fait des lumières, voilà exactement en plus. Bon. Ouais, bon là c'est la cuisine, hein, vous le savez je pense. Là c'est la salle de bain. Là c'est là où on met les chaussures et tout, là ce porte-manteau. Un petit truc Batman. Les toilettes, je pense que vous connaissez la maison en tonton. C'est là où tu vas compter madame, devant la porte. Donc, vous mettez devant la porte. Je compte jusqu'à combien avant de te chercher? Tu comptes jusqu'à 30. D'accord. 20. D'accord, c'est parti. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'arrive! 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Je t'ai trouvé! Ah putain, non! Non, 34 secondes, putain, non! Non! Non, c'est pas possible! Oh, j'ai couru partout! Putain, j'ai entendu! 30, j'ai dit c'est bon, putain, 10 secondes! J'ai vu, t'as poussé le canapé, tu l'as remis, j'ai dit oh, c'est fini! Et il a fallu que tu viennes jusqu'au fond. Ah oui. Non, sérieux, attends. J'ai gagné. Attends, t'as fait quelle chambre? Tout. À part la chambre gaming. Oh putain, j'aurais dû me foutre au fond! Mais je me suis dit, elle va d'abord penser à la chambre gaming, elle va pas penser à la chambre, celle-là. Normalement, j'ai gagné. Hein. Non, j'ai gagné. Oui, mais normalement, j'ai gagné. Parce que normalement, tu fais la chambre gaming. Non, j'ai fait dans l'ordre. Putain de merde. Tu me le donnes? C'est mon cadeau. Il y a rien qui s'en fout. Hé! Donne-moi ça. Allez. Hé! Oh putain. Okay. Non. Non. Donne. Donne! Oh putain. Voilà. Je suis un trou du cul, pourquoi j'ai pas rié? J'ai gagné? Bisous! T'as gagné le droit de fermer ta gueule, toi! Ciao, ciao! Bon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous! Et s'il y en a un qui veut m'envoyer le casque le même, n'hésite pas, je te donnerai mon adresse. Allez, ciao! I told you, you take my hand through the flame. I do.